quand même une pression d'amener l'équipe par là. Pas trop en avant. On fait le recul d'un peu. Fait qu'il passe. Lui, on l'a placé plus. C'est pas un peu. Proche. On vient 14 minutes. Ça prend ça pour protéger les doigts, hein? Ça s'aiguise, ça, ces scies-là? Oui. Alors ça coûterait cher, toujours acheter des neufs? Ah oui, on est obligé de... Oui, ça coûte 40 piastres, une scie. Ah. Les faire aiguiser, ça coûte 10 piastres, fait que... Ah bon. Ça peut s'aiguiser au moins une dizaine de fois. Ah donc, oui? Fait que... quand même pas bien. Ouais, ça gomme beaucoup. C'est du sapin, oui. Sapin de l'épinette. Ça doit être agréable avec l'érable. Ça doit sentir bon. Oh, ça a d'autres inconvénients. Ah oui? L'érable, c'est dur aussi. C'est dur. C'est plus long. C'est même blé du sel. Oui. Ouais. Ben, j'en ai pour le bois franc. OK. Puis, Ça prend de l'eau pour que la scie soit toujours mouillée? Oui, ben ça prend de l'eau et du savon vaisselle, l'empêcher de chauffer. Ah. Pour pas que ça colle. N'importe quel savon, ça fait. Oui, puis non. J'en ai acheté du cheap qui vend à une pièce la bouteille, ah. Là. Puis c'est pas yob. Non. C'est pas yob, la lame, elle colle. C'est pour la pression. La lame. Wow. La 1000 litres de pression, c'est la lame. Ah. Ça me donne la pression que c'est la lame. Le gars est à 1200 livres. OK. C'est avec ça que vous ajustez? Oui. Quand on serrait ça, puis la pression respecte, ça fait éloigner ce bloc.